Oui, on a demandé la publication des contrats, la transparence au gouvernement. D'accord, après la publication, les contrats vont servir de quoi? Ça sert de quoi? Donc ça veut dire que les collectivités locales ont droit de connaître ce qui a été signé. Et pour avoir cet outil, on a voulu aider les populations en réalisant une grille de lecture pour les faciliter à comprendre les contrats. Parce que les contrats, je vous dis que c'est pas facile. Il y a des termes techniques, c'est pas trop facile pour les comprendre, pour les populations locales de les comprendre. Et le rôle d'AGES ici, c'est de réaliser une grille, une revue critique de ces grilles, en faisant une vision par rapport aux bonnes pratiques au niveau international, pour aider la population de bien s'approprier de ce qui a été publié. Certainement. Parce que le projet ne se limite pas uniquement sur les contrats pétroliers. Il y a aussi les conventions minières. Mais comme Saint-Louis est une région, on peut dire à ne pas dire 100%, mais à 90%, une zone pétrolière. Donc la grille, c'est juste la grille des contrats pétroliers qu'on va présenter aujourd'hui et qui sera disséminé. Et bien sûr, on prendra l'exemple du bloc de Saint-Louis au Chaud Profond avec le contrat de Cosmos. Oui, cette étude a été réalisée en prenant 4 critères. Nous avons adopté 4 critères par rapport aux bonnes pratiques au niveau international. Et ces 4 critères se résument par la gouvernance des contrats, l'espace normatif des contrats, l'équilibre économique et les principales obligations des contrats. Et ces 4 critères se retrouvent pratiquement dans tous les contrats et conventions au niveau national et au niveau international. Et ces 4 critères ont été pris en compte pour faire une revue critique de ces contrats. On a un partenariat opérationnel. Nous avons d'autres partenariats financiers, institutionnels. Mais on a un partenariat opérationnel, qui s'agit de la coalition Publier ce que vous payez. Et de par la coalition, la dissémination sera faite au niveau local. Et après, la coalition pourra s'approprier de ces grilles de lecture pour faire une dissémination au niveau local, pour aider les populations à bien s'approprier de ces contrats.